Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. J'en ai deux. Pour la semaine du 21 au 27 novembre. Allez, énergie principale pour vous les balances pour cette semaine du 21 au 27 novembre. La mort. On va mettre là. La mort. Ouais. Ben, la mort, c'est le changement, c'est la transformation, la mort. Hein. Ouais. On coupe parce qu'il n'est plus nécessaire dans sa vie. On y reviendra après pour vous les balances. Allez, semaine du 21 au 27 novembre pour les balances. Oh non, j'en ai combien? Non, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. Allez, balance, 21 au 27 novembre. Allez, balance, 21 au 27 novembre. Pape. Le 8 de bâton. Bon, allez, on les prend. Ouais, c'est bon. Donc, le 6 d'épée, le chariot, le magicien, le jugement. Et en d'autres paquets, j'ai tempérance. Bon, je vais mettre un peu ça comme ça. Bon, je pense que vous voyez tout. Allez. Pour vous, les balances. Semaine du 21 au 27 novembre. Énergie principale, la mort. C'est le changement, la transformation. Un changement en prépare un autre. C'est se départir de ce qui n'est pas ou plus utile. On laisse quelque chose derrière soi. Ce qui encombre, peu importe quoi. Hein. C'est fait. On laisse derrière soi ce qui encombre pour avancer plus vite, plus loin. Ce changement, pour vous les balances, c'est une opportunité de faire mieux. C'est vraiment ça. Hein. La métamorphose, c'est, oui, on doit tourner une page. On accepte cette transformation. C'est tourner une page, laisser place à une situation meilleure. Ce changement, il est nécessaire à votre évolution. C'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui vous attendait. L'occasion de repartir, eh ben ouais, sur de meilleures bases pour vous les balances. Ouais. Alors, j'ai le pape et j'ai le 8 de bâton. Eh ben, le pape, c'est prendre du recul sur les perturbations émotionnelles, le pape. C'est ça, le pape. C'est, sur les événements, les perturbations émotionnelles, pour ne se préoccuper que de l'essentiel. C'est comme si, là, il y avait des balances qui maîtrisaient la situation. On évite les débordements. C'est ça, le pape. Et j'ai le 8 de bâton. Ben ouais, il y a quelque chose qui avance pour vous. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Vous avancez les balances. Moi, je pense que c'est vous qui avancez. Ouais. Ouais. C'est aussi le changement. Hein. C'est la rapidité des progrès. Donner de l'énergie, bah, peu importe, peut-être dans un projet. Mais vous êtes prêt à vous remettre en mouvement, là. Là, vous êtes prêt à vous remettre en mouvement. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Oui, là, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous acceptez ce changement. Vous êtes prêt à vous remettre en mouvement. Vous êtes prêt à avancer. Parce que maintenant, vous prenez du recul sur tout ça. Ouais. Alors, j'ai le 6 d'épée. Pour moi, le 6 d'épée... Alors, le 6 d'épée, généralement, c'est quitter une situation qui ne convient plus. Ben ouais, puisqu'il y a un changement à faire avec la mort. Il y a un changement à faire. Pour moi, là, il y a des balances avec le 6 d'épée. Ce que vous voulez, c'est lâcher prise. Vous voulez lâcher prise sur le passé. Vous voulez vous libérer pour avancer. Pour moi, c'est ça, c'est ce que vous voulez. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire pour vous. Vous voulez lâcher prise sur le chagrin, sur les regrets. Vous voulez embarquer vers cette nouvelle vie, vers ce... Alors, peut-être vers de nouveaux objectifs. Prenez ce qui vous parle. Adaptez à votre situation. Mais là, pour moi, avec le 6 d'épée,
Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Il y a quelque chose que vous réussissez à accepter pour avancer à nouveau. Vous voulez embarquer vers ce futur meilleur. Vous ne voulez plus vous attarder sur le passé. On ne s'attarde plus sur ce que l'on a quitté, mais on avance. Pour moi, c'est ce que vous voulez, les balances. Avancer. Enfin avancer, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors j'ai le chariot. Le chariot. Ouais. C'est s'affirmer, c'est être audacieux. C'est rester sur la bonne voie. C'est la volonté pour atteindre des objectifs. Là, pour moi, il y a des balances qui ne doivent rien lâcher, qui doivent persévérer. Pour moi, c'est ça le chariot aussi. Qui doivent s'affirmer, continuer à avancer, continuer à surmonter des obstacles peut-être, ou des défis sur leur chemin. Être déterminé. C'est vraiment ça pour moi. Rien ni personne ne doit vous arrêter. Vous devez avancer vers un objectif clair. Et si vous êtes déterminé, bah vous triomphez des difficultés, encore une fois. Et j'ai le magicien. Super. Bah ouais. Prendre ce nouveau départ, le magicien. C'est ça, le magicien. Et ouais. Ça incite à la transformation. On matérialise dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment. Très positif pour moi. Ouais. On a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec le magicien. On a les cartes en main. Vous devez y croire, prendre des initiatives, aller de l'avant. Tout est possible avec le magicien, il suffit d'y croire. Et j'ai le jugement, et allons-y. Ah ben c'est super. Elle est vraiment super votre... Votre guidance, les balances. Le jugement, ben ouais. Se libérer de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé, se libérer de la souffrance, l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. C'est ça, c'est plus qu'un nouveau départ, le jugement, pour moi. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On est prêt maintenant à relever de nouveaux défis. C'est le fait d'aller de l'avant avec confiance. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec confiance, les balances, pour moi. Ouais, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir souffler aussi. Et j'ai tempérance. Bah, s'autoriser à vivre en paix, hein, se mettre à l'écart volontairement des conflits, des tensions, du stress, c'est ressentir cette paix intérieure. Vous voyez ? On ressent plus d'équilibre, plus de paix intérieure. Moi, j'ai l'impression, là, il y a des balances. Vous connaissez mieux. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Je pense qu'il n'y a plus d'hésitation pour vous. Il est impossible de revenir en arrière. Vous savez maintenant qu'il est impossible de revenir en arrière. Et maintenant, vous avancez. Vous vous dirigez vers un nouvel équilibre. La grande prêtresse. Ouais. Le fait d'être en capacité d'écouter son intuition. Lui faire confiance à cette intuition, faire confiance à votre boussole intérieure. C'est ça la prêtresse. On va recourir des cartes pour vous les balances. Allez, bah je vais recourir la mort tout de suite. Allez, on recouvre la mort pour vous les balances. La reine d'épée. Bah ouais, c'est bon là. On tourne plus autour du pot les balances. Là, c'est bon, c'est clair. Je pense que vous avez mis vos émotions de côté hein, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Peu importe. La reine d'épée, de toute façon, voilà quoi. La reine d'épée, elle tourne pas autour du pont. Du pont. C'est bon quoi. La reine d'épée, je pense que vous avez compris des choses. Vous avez compris des choses pour moi. Vous avez coupé la balance, la reine d'épée, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, je sais qu'il est très tôt, mais quand même, je vais y arriver, la reine d'épée, c'est vraiment, voilà quoi, elle a cette capacité à juger, à discerner, sans se laisser influencer ni par ses émotions, ni par ses sentiments, ouais. Elle pense avec sa tête, pas avec son cœur, pour moi, là c'est clair, on a coupé, la mort, la reine d'épée, se couper de certaines choses, parce que c'est bon, parce qu'elle a souffert.
Donc, elle évolue, elle met certaines choses de côté, elle remet de l'ordre dans un domaine de sa vie, elle tranche. Pour elle, c'est clair. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur de rien et de personne, la reine d'épée. Et c'est vous, la reine d'épée, les balances. Eh ouais. Allez. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Je recouvre le pape. Tiens donc, tiens donc. Et ouais, je l'ai dit, hein, le pape, hein, prendre du recul, hein, sur les perturbations émotionnelles. Je pense qu'avec le pape, moi, je pense que vous vous êtes libéré. Il y a des balances qui se sont libérées. Vous suivez votre route, vous assumez vos décisions et vos choix maintenant. Là, vous en avez marre, peut-être qu'on vous manipule, peut-être que vous étiez pessimiste, peut-être que vous vous sentiez coincé, limité dans un domaine de votre vie. Vous n'aviez peut-être pas le sentiment d'être libre. Et là, pour moi, vous avez maintenant le sentiment d'être libre. Vous vous êtes libéré. Avec le diable, on crée ses propres chaînes. Moi, je pense que vous avez coupé ces chaînes, les balances. Et c'est très bien. Je recouvre le 8 de bâton. Alors, je ne dis pas que ça a été facile, hein. Je ne dis pas que ça a été quelque chose de facile. Ça a peut-être été compliqué, mais pour moi, vous avez coupé des chaînes. Ouais, vous êtes libéré de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. 8 de pentacle. S'accrocher. Il y a quelque chose là qui commence à être bénéfique. Moi, je pense que vous ressentez des effets là qui commencent à être bénéfiques avec ce que vous mettez en place, les balances. C'est bon là. Pour moi, vous partez vers quelque chose de nouveau. On recommence. Allez, et cette fois-ci, on fera mieux. Peu importe, hein, peu importe le domaine, hein, mais c'est ça. Ouais. Là, c'est bon. Pour moi, le 8 de denier, c'est vraiment le fait de vivre un changement, un nouveau départ, peu importe le domaine. On est déterminé, obstiné. On veut améliorer cette situation. Et on vous encourage à continuer à faire ce que vous faites. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous commencez à ressentir oui, peut-être des premiers effets bénéfiques. Parce que vous vous coupez de quelque chose, de quelqu'un, parce que vous remettez de l'ordre dans un domaine de votre vie, parce que vous avez compris des choses, parce que vous avez réfléchi avec votre tête et pas avec votre cœur. Je recouvre le 6 d'épée. Après, parfois, le 8 de pentacle, bien évidemment, ça peut être le fait de travailler sur soi. Valet de pentacle. Valet de pentacle. Ça peut être... Alors ouais, parfois ça peut être une prise de risque, hein, le valet de pentacle, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression avec ce valet de pentacle, c'est vous êtes en quête de ouais, moi, vous êtes en quête de développement. Moi, je pense qu'il y a des balances qui ont fait un travail. On a fait un travail sur soi. C'est ça pour moi. Et ouais. Et là maintenant, c'est bon, on est prêt, on lâche prise. C'est vraiment oui, c'est ça. Mais vous êtes prêt à lâcher prise. Encore une fois, sur le passé, sur... Peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Je vais en mettre une avec le 6 d'épée, le valet de pentacle. Mais ça peut être la prise de risque, le valet de pentacle, bien évidemment. Allez. Super. La roue de fortune. Bah ouais. Le changement. Le changement, ouais. Transformer ce que vous pouvez dans votre vie, changer les choses, c'est ce que vous voulez, les balances. Vous, ouais, c'est ce que vous voulez. Transformer, ouais, quelque chose dans votre vie, changer les choses, planifier l'avenir, aller de l'avant, avancer, faire vos propres choix. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous, les balances. Ouais. Des choses qui se mettent en place. Je recouvre le chariot. Bon, sur le chariot, j'ai le chariot. Bon, donc voilà, donc on va en remettre une autre. C'est le fait de s'affirmer, d'être audacieux, hein, de continuer à avancer. La tour. Et ouais.
La tour avec le chariot. Donc le chariot, c'est une carte d'action, hein. Restez sur la bonne voie là. Continuez à avancer pour atteindre des objectifs, hein. On ne lâche rien, on persévère. Et j'ai la tour. Et pour moi, la tour, ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec la tour qui vous a obligé à sortir de votre zone de confort, qui vous a peut-être réveillé, entre guillemets, qui vous a remis les pieds sur terre. Il y a eu un changement. Là, c'est le changement et l'événement sur lesquels on n'a pas prise. Bouleversement. Et je pense que ce changement, ce bouleversement, cet événement sur lequel vous n'avez pas eu de prise, vous a obligé à sortir de votre zone de confort. Et vous a peut-être, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous a peut-être aidé à vous libérer maintenant. Vous avez fait des choix par rapport à ça. Et maintenant, vous avancez. Vous devez avancer. Vous devez continuer à avancer. Je recouvre le magicien. Je recouvre le magicien. Et on a de nouveau tempérance. Allez. Ressentir plus d'équilibre, plus de paix intérieure. Ouais. Intégrer son passé pour construire l'avenir. On déconstruit, on reconstruit ailleurs, autrement, différemment. Ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Adapter à votre situation. Prenez ce qui vous parle et je recouvre le jugement pour terminer. Super. Super. 10 de coupe. Génial, excellent. Le bonheur après la pluie, les balances. C'est ça, le 10 de coupe. C'est vraiment. Ah ouais, c'est le soulagement final, quoi. C'est ça, le 10 de coupe. C'est vraiment ça, ouais. Ce soulagement final, ce sentiment de sécurité, de soulagement. C'est la conclusion heureuse, la fin heureuse. Super positif, le 10 de coupe, hein. Et oui, ça incarne le bonheur, la joie, la satisfaction, l'épanouissement émotionnel. L'apaisement, le confort, enfin, bref. Oui, parce que vous arrivez à vous libérer de quelque chose du passé. Pour moi, il y a une grande libération, il y a une transformation pour vous, les balances. Ouais. C'est la bienveillance, la confiance et l'amour, le 10 de coupe. Allez, je prends encore une carte pour vous. Elle est super belle, votre guidance, les balances. Allez. Encore une carte pour vous, les balances. Du 21 au 27 novembre pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Ouais. Je prends celle qui est en dos de paquet aussi. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Pour vous, les balances, énergie principale, c'est l'énergie de la mort. C'est ça, l'énergie principale. C'est une très belle énergie, quoi qu'il en soit. C'est vraiment une très belle énergie, la mort. C'est un changement qui en prépare un autre. Un bouleversement, peu importe, ça en prépare un autre. On se départit de ce qui n'est plus utile. On laisse quelque chose derrière soi ou quelqu'un. Hein, pour avancer plus vite, pour avancer plus loin. Hein, j'ai deux fois le chariot, il me semble. Donc, ce changement, pour vous les balances, peu importe le domaine, c'est une opportunité de faire mieux. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine, les balances. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.